Good evening, everybody. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Yeah, and I was in my classroom. Alors, salut à tous. Je m'appelle Rémi et j'ai été prof d'anglais sur 3D5 Océans dans ce paquebot avec Peaceboat. Alors, Peaceboat, c'est quoi? Peaceboat, c'est une ONG japonaise qui fait voyager les gens, mais un peu différemment. Alors, différemment comment? En fait, à chaque escale, on va avoir des artistes, des intellectuels, des activistes qui vont monter à bord pour nous parler de l'histoire et des défis des pays qu'on va visiter par la suite. Alors les pays justement, départ Japon, retour Japon, avec au milieu une vingtaine d'escales en 104 jours. Alors sur les 1000 et quelques passagers, il y en avait une centaine qui s'est inscrit pour des cours intensifs et payants d'anglais et d'espagnol. Et donc le Peaceboat recherche une dizaine de bénévoles, dont j'ai fait partie. Et aujourd'hui je vais vous parler de la difficulté ou la particularité, on va dire, de donner des cours d'anglais dans un bateau rempli de japonais. Alors déjà, la plupart des participants sont retraités. Donc il faut faire attention à ne pas utiliser des mots trop futuristes comme Facebook, YouTube ou briquet. Et par contre, ce qui était génial, c'était de les voir comme ça échanger des phrases et des conversations simples avec le staff philippin et indien du bateau. Et ça, c'était très gratifiant. Alors, si je vous dis cours d'anglais, vous allez me dire conjugaison, les verbes irréguliers, tout ça, c'est relou. Mais c'est aussi la possibilité de distiller comme ça des éléments culturels. Et moi, une culture à laquelle je suis très attaché, c'est le paquito. Et partout où je vais, je fais un paquito. Et donc, le bateau, voilà, n'y a pas loupé, je vais faire un paquito aux retraités, c'était cool. Alors, en plus des cours payants, on avait des cours gratuits, ouverts à tous, dits d'open class. Alors, ces cours commencent généralement avec les élèves qui sont assis, qui se serrent la main pour se dire bonjour, qui disent « How are you? I'm good, thank you, and you? » Et moi, ça m'énervait un petit peu, donc je les faisais se lever, faire des fist bumps comme ça à l'américaine, en disant « What's up ?» Et c'était très cool. D'ailleurs, je me rappellerai toujours de cette open class sur la négociation, où je leur ai enseigné des techniques de négoce avant le Moyen-Orient, techniques que j'ai moi-même utilisées en Turquie pour faire baisser le prix de cette pièce de 21 à 7 euros, et j'étais très fier de moi. Sauf quand j'ai retrouvé la même pièce en Grèce sur un marché à 1 euro. Et là, je me suis senti très, très con. Alors, qui dit bateau, dit mal de mer. Et tout le monde me dit, mais alors, t'étais malade. Et en fait, un paquebot de cette taille, c'est comme un hôtel qui flotte, quoi. On sent rien. Sauf autour du Japon, où là, vraiment, ça monte et ça descend d'un mètre. Et tout le monde avait la gerbe aux lèvres. C'était horrible, quoi. Mais moi, j'ai pas vomi. Voilà, c'est une petite fierté personnelle. Alors, les participants sont encouragés à faire des Jishu Kikaku, c'est-à-dire créer leur propre événement. Et moi, j'ai fait un Jishu Kikaku sur les écoles françaises. Et je leur disais notamment que dans les lycées, les distributeurs de préservatifs étaient obligatoires, alors que les distributeurs de snacks et de boissons étaient interdits. Et les Japonais, ils étaient choqués, quoi. Au Japon, c'est presque l'inverse. Alors malheureusement, ces Jishu Kikaku, moi, je ne pouvais pas y prendre part souvent parce que nos cours, on était assez occupés. Par contre, j'ai pu participer à cette compète de tirage de collants avec la tête, où j'ai pas mal carburé, hein. J'ai fini en demi-finale parce que je sais pas trop pourquoi en fait, ça s'est déchiré alors qu'avant ça se déchirait pas, c'était bizarre. En escale, on n'avait jamais cours, ce qui était top. Par contre, on restait qu'une journée, alors il fallait faire très vite pour pas louper l'embarquement, ce qui n'était pas toujours évident comme au Venezuela quand les routes de retour au port ressemblent à ça, mais c'est normal parce qu'au Venezuela, un litre d'essence, c'est 1 centime d'euro. Je rigole pas, 1 litre d'essence, 1 centime d'euro. Crazy. Alors, en mer non plus, on n'a pas cours tout le temps, comme par exemple sur le canal de Panama. Et pour info, il nous a fallu 2 heures pour passer ces 3 écluses, donc ça va vite. Et on a dû payer en frais de passage 200 000 $, ce qui est moyen. Et le plus bas frais de passage était de 36 cents, un gars qui l'a fait à la nage, quoi. Alors, c'est pas lui, la transition est mauvaise, mais c'est pas lui. Au large des côtes africaines, on est en Pirate Waters, donc c'est sécurité maximum. On va couvrir de bâches tous les hublots du bateau pour ne pas émettre de lumière la nuit. Et on va être escorté par un hélicoptère et des navires de l'armée. Donc rassurez-vous, je suis voilà. C'est rien passé, on est arrivé sain et sauf en Jordanie. Et là, il y a une action de l'ONG qui m'a beaucoup touché, c'est Breaking Barriers. Alors Breaking Barriers, c'est un groupe d'Israéliens et de Palestiniens qui vont monter à bord du bateau pendant 3 semaines pour essayer un petit peu de casser les barrières géographique et mental. Et là, c'était pendant la soirée à l'aîné. Alors, les profs aussi peuvent apprendre beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup appris de cet homme qui s'appelle Gabi. Et Gabi, c'est un Tahitien qui a lutté toute sa vie d'adulte contre les essais nucléaires français.
Et je dis toute sa vie d'adulte parce que quand il était enfant, en fait, il adorait ça, les essais nucléaires. Il regardait les champignons et qu'il trouvait plus jolis que des arcs-en-ciel. Et ça, ça m'a beaucoup ému. Alors, en plus des cours, j'ai aussi servi d'interprète à Papeete pour les Hibakusha, c'est les survivants d'Hiroshima, avec les anciens travailleurs des bases de Mururoa. Et il y avait cet ex-gendarme qui est maintenant atteint d'un cancer qui me disait que parler des essais nucléaires à Papeete maintenant, c'était tabou. Et donc, les jeunes générations oubliées, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Alors, j'ai un peu plombé l'ambiance. Je ne sais pas ce que vous allez voir, ça ne m'intéresse pas trop, mais je pense que malgré le titre, personne ne va voir une baleine. Parce qu'une baleine, je n'en ai pas vu non plus. En fait, il y en a eu une au large de l'île de Pâques, mais c'était pendant un de mes ateliers sur l'humour en France. Alors l'atelier n'a pas marché, personne n'a ri, et les gens m'en ont vraiment voulu leur avoir fait manquer la baleine du voyage. Quoi. Ils étaient vraiment vénères. Hein. Alors pour finir, je dirais que moi, j'avais signé pour les destinations paradisiaques, pour le tour du monde sans dépenser un rond, mais qu'au final, les plus belles rencontres, ben, je les ai faites dans le paquebot. Et ma conclusion va être un peu bateau. Pour moi, voilà, le voyage, ça a été un peu comme le bonheur, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas le but, mais le chemin. Voilà, merci. Don't you know you can't be trusted? And don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky.